Donc, diversité des questions, diversité des approches pour les communs et les biens communs. Hein. Donc, pendant ces 5 ans, nous avons sollicité à la fois des philosophes, des économistes, des politologues, des anthropologues, des ethnologues, des psychologues également, mais aussi, comme vous l'avez compris, des artistes, des écrivains, des personnes qui font des communs chaque jour dans leur vie. Et donc, on va essayer, en tout cas aujourd'hui, et pour toutes les séances à venir, qui seront en gros tous les mois, hein, on reprendra à partir du mois d'octobre, dans cette salle, donc à l'Académie du Climat tous les mois, la diversité de ces approches. Donc aujourd'hui, on a essayé en tout cas d'avoir des ouvertures différentes sur les communs, ouverture économique, ouverture philosophique, approche plus du terrain. Donc je vais laisser les intervenants se présenter et nous aurons une présentation ensuite de Gilles qui vous donnera quand même un peu un historique de ce qu'est la recherche et les études dans les communs, puisqu'on connaît assez peu de choses en fait dessus, alors que c'est une des disciplines, un des champs qui a été les plus approfondis depuis des années. Et une de nos peurs, pour rien vous cacher, c'est que le concept de commun, bien commun, qui était quand même un peu connu du grand public il y a 10 années, et depuis 2 ou 3 ans, commence à arriver dans toutes les sauces, notamment dans le champ du marketing, dans le champ de la politique. Et on se pose un peu la même question qu'on se posait avec Serge Tisseron et Cyril Nick sur la résilience, d'où la nécessité aussi, c'est le rôle de cette université aussi, de poser des concepts clairs et d'essayer d'apporter aussi des instruments, des outils qui soient très élaborés et qui soient assez précis. La théorie d'Elinor Ostrom, qui a vraiment rendu plus connue, plus publique, la théorie des communs, puisqu'elle a été prix Nobel d'économie en 2009 pour son travail et ses recherches sur les communs. Et elle a travaillé dans beaucoup d'endroits, notamment sur les pêcheries philippines, dans les communautés qui ramassent le caoutchouc en Amazonie. Elle a travaillé aussi sur la Suisse et elle a pu retirer des éléments principaux de ces communs. Qu'est-ce qui fait commun à son sens? C'est d'abord une ressource pour elle. Donc une ressource est généralement une ressource qui est vulnérable. C'est-à-dire que si elle était laissée dans une gestion publique ou privée, cette ressource pourrait disparaître. La seconde chose, c'était qu'il y a un besoin d'usagers et d'une communauté autour de cette ressource. Donc là aussi, il y a toutes des études, une théorisation, savoir quels sont les cercles d'usagers, où commence le cercle d'usagers autour d'une ressource, et puis enfin, comment on peut gouverner cette ressource de façon non pas dans la compétition, mais dans la coopération. Donc on a aussi, grâce aux théories des communs, toutes les questions sur la démocratie participative, la démocratie délibérative et la Convention citoyenne pour le climat. On est une très très bonne application, même si elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais en tout cas, les prémices de cette organisation sont importantes. Donc vous voyez, notre alpage, en fait, répondait à ces 3 critères, c'était bien une ressource qui se serait détériorée s'il n'y avait personne pour faire des murets, l'entretenir, faire des chemins. Il y avait bien une communauté autour de cet alpage, alors aussi bien des éleveurs pour qu'ils puissent s'entendre quand est-ce qu'ils vont mettre leurs bêtes, à quel moment pour ne pas abîmer la ressource, mais aussi les ruches. Il faut bien gérer l'endroit où sont les ruches, l'endroit où sont les bêtes. Il faut également pouvoir s'entendre avec les marcheurs qui traversent l'alpage. Donc il y a une communauté autour de cet alpage qui est faite et qui n'est pas gérée ni par les lois de Chamonix, ni par des lois nationales, mais bien par un collectif qui s'entend sur un certain nombre de règles et d'exigences. Alors je voulais juste finir là-dessus parce que cette vision des communs, et je pense que évidemment Alexandre nous en parlera beaucoup, elle est extrêmement opérante dans les numériques. L'exemple, c'est Wikipédia, évidemment, qui est un commun numérique. Et puis, on le trouve partout, pas seulement dans les alpages et les forêts, mais on le trouve dans les villes aussi.
Les tiers-lieux, par exemple, sont évidemment un exemple de ces communs. Hein, on avait les grands voisins dernièrement, où en effet, il faut essayer de gérer un espace en commun, le développer. Et alors, il y a quelqu'un des communs qui est ici, donc il pourra nous en dire beaucoup. Et alors, est-ce qu'ici c'est un commun? C'est ce que vous voulez? Alors, ça, on pourra en discuter justement sur le plan de la gouvernance. Puisque c'est en effet un début de tiers-lieu. Il y a des règles assez précises hein, dans la gouvernance des tiers-lieux, mais on en parlera avec beaucoup de plaisir. Et puis je voulais finir donc, toujours sur cette balade en montagne, sur les communs, sur les biens communs. Évidemment, on a fini par parler de l'eau. Et là, on a eu la chance ce jour-là de s'apercevoir qu'il y avait un petit village où l'eau n'était ni gérée par des sociétés privées, des groupes privés, ni par la commune, mais par un groupe de personnes qui géraient cette eau en commun. Alors c'est intéressant l'eau parce que tu le sais bien Christina, l'eau c'est à la fois une question politique avec la commission Rodota, tu vas en parler, hein, je pense, Gilles, et puis c'est une question à un niveau aussi bien local qu'à un niveau mondial, et c'est intéressant de voir cette dimension des communs qui joue vraiment dans des écarts aussi bien des choses très très concrètes, très très locales, qu'au niveau le plus mondial pour la gouvernance de l'eau. Et pour finir sur l'eau, c'est aussi, les communs et l'eau, un grand mouvement international contre la privatisation de l'eau, contre la financiarisation de l'eau, donc un grand mouvement du changement. Et on s'est interrogé au comité de pilotage sur ce changement. Gilles, tu disais, il y a plusieurs types de changements. Il y a des changements dans le cadre et des changements hors cadre. Alors, on a même recité, parce qu'on la cite toujours, mais très très mal, la phrase d'Albert Einstein qui est « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que celle utilisée lorsque nous les avons créés ». Donc, ce que nous vous proposons, c'est ce que disait Christina, c'est de changer de cadre, c'est de changer de paradigme, c'est-à-dire de voir les communs et le climat, non pas le climat, la nature comme une ressource, mais de changer notre rapport au vivant. Alors, on a déjà fait deux sessions sur ce sujet avec Benjamin Coria, qui a beaucoup interrogé, bien évidemment, l'analyse de l'anthropocène, qui, depuis le XVIIe siècle, évidemment, a réduit totalement la nature à des ressources, et aujourd'hui, comment réenchanter, évidemment, ce monde, que ce soit par la connaissance des pratiques des peuples autochtones, ou que ce soit par un nouveau droit, notamment le droit du vivant. Et nous avons en effet convié Camille de Toledo sur le Parlement Loire, également Marine Calmet, sur comment devenir des gardiens de la Terre et des futures générations. Donc voilà, c'est les séances aujourd'hui et les séances à venir, on vous invite à se décaler à ce nouveau paradigme entre le climat et les communs. Voilà, c'est bon. En lien avec l'une des questions évoquées notamment par Christina à l'origine, sur l'importance de l'imaginaire. De l'utopie en tant qu'imaginaire en acte. L'un des enjeux, me semble-t-il, c'est que à partir du moment où le dérèglement climatique rend notre planète en partie inhabitable, le bien commun que constitue non seulement le climat lui-même, la planète elle-même, mais l'humanité menacée par le fait que si elle se retrouve sur une planète inhabitable, elle est menacée dans son existence même et son lien avec le système du vivant, eh bien, cette menace est en même temps une ressource du côté du désir, c'est-à-dire à l'évidence, la perspective de prolonger les lignes est impossible. C'est la raison pour laquelle le terme de transition peut créer des confusions parce qu'il donne l'impression en quelque sorte qu'on pourrait prolonger les lignes. Ça, c'est radicalement impossible. Mais il y a une nécessité de penser un imaginaire tel
que les bouleversements qui sont nécessaires et le souhaitable, le désir de ces bouleversements soient plus importants que la peur, qui est une peur légitime par ailleurs, que ces bouleversements mettent fin au règne des chenilles. Donc, à côté du dérèglement physique, qui est une évidence, même si cette évidence a été longtemps niée par les réseaux climato-sceptiques ou les lobbies qui avaient intérêt à maintenir le plus longtemps possible les énergies fossiles, mais à côté de ce dérèglement-là, qui est le dérèglement physique, il y a un autre dérèglement qu'on peut qualifier de glaciation émotionnelle et qui renvoie justement au phénomène de peur lié à ces identités racines. Et on ne peut avancer vers un désir de métamorphose que pour autant qu'on travaille sur ce volet-là, qui est la question du sensible et pas simplement des raisons rationnelles qui amènent l'humanité à se rendre compte qu'elle ne peut pas continuer les lignes actuelles. Il faut aller travailler sur le rapport entre peur et désir. Et le désir étant lui-même lié à un imaginaire positif. Eh bien, seule une humanité qui commencerait pour de bon à devenir sapiens serait capable d'entrer en métamorphose et faire face à ses défis. À la fois le premier sapiens, le sapiens de l'intelligence, mais à ce moment-là, il faut que ce soit une intelligence créatrice, parce que c'est pas une intelligence destructrice qui peut permettre de faire face à ces défis. Et le deuxième sapiens, le sapiens de la sagesse, il faut pas l'entendre sous forme ascétique ou sacrificielle, il faut se souvenir que le mot sapiens vient de sapere, et sapere en latin, c'est la dégustation. C'est la saveur. Donc la sagesse, c'est la sagesse du bien-vivre. C'est la sagesse de l'art de vivre pleinement, intensément, l'art de vivre à la bonne heure, comme on le dit, y compris dans certaines rencontres de chemin faisant. Sur l'histoire des communs, les Anglais disent les commons, les commoners, les biens communs, c'est un petit défi de vous faire une synthèse aussi valée en quelques millénaires. Vous voyez, alors les communs font retour depuis 25 ans, à peu près 25-30 ans, pour deux motifs à mon sens. D'une part, la pression écologique, les sous-pressions écologiques. Et l'autre motif, c'est aussi l'annexion par, disons, le capital, de tout ce qui jusqu'alors se dérobait au capital. On va parler de monétisation de la nature, et puis à partir du milieu des années 80, avec la permission du gouvernement américain, le fait d'étendre à la nature le droit de propriété intellectuelle, notamment avec le brevetage du vivant, ce qui est une nouvelle innovation du capitalisme par rapport à celui du XVIIe siècle, par exemple, qui aura beaucoup entamé la vivacité, notamment des communs. Alors, on va faire quelques retours. Les communs, on va s'intéresser à l'Occident. Alors, toi, tu as dit Ubuntu en Afrique. Viola Nacker, une juriste qui a travaillé avec nous, a beaucoup travaillé sur la notion d'Ubuntu en Afrique subsaharienne. Des gens comme, des personnalités comme Nelson Mandela citent souvent le Ubuntu et d'autres chefs d'État africains, ou anthropologues africains, ou philosophes. Il faut savoir que ça peut avoir une incidence très concrète. Par exemple, une entreprise dans certains pays d'Afrique qui va s'implanter sur un territoire doit être, au nom de l'Ubuntu, dans une logique de donnant-donnant. Vous voyez, hein? Et donc ça affecte énormément le droit social et le droit des entreprises. Donc on n'a pas le temps d'en parler. Alors, je vais revenir à l'Antiquité. L'Antiquité, alors, commun, c'est koinos chez les Grecs. Et c'est dans le droit romain, véritablement, même s'il y a des chercheurs qui disent qu'effectivement, on trouve trace des communs et des biens communs dans l'Ancienne Égypte, on va quand même réduire le spectre à nos amis romains, qui étaient autre chose que des salopards décrits par Astérix. Donc, c'est l'émergence des biens communs va se faire dans le droit romain. Alors, par exemple, il y a plusieurs notions juridiques qui sont très intéressantes. On va en retenir deux. Res communis. Alors, la notion de res en latin est polysémique, parce que res, c'est à la fois la chose,
on va dire la res publica, la chose publique, oui, mais en même temps, ce n'est pas qu'une chose. C'est aussi quelque chose qui prête à un bien. La double notion res, bien, et commun, res communis. Et les Romains ont considéré que sur Terre, il y a des choses qui sont res communis. Pourquoi? Parce que ce sont des res nullus. Ce sont des choses de personne. Étant des choses de personne créées par la nature, personne n'a le droit de l'approprier, de s'approprier ces choses-là. On va parler des océans. Et 2500 ans après, il y a les eaux territoriales, donc ça n'a pas marché. On va parler des fleuves, on va parler des rivages. Très important, les rivages. Les Corses en savent quelque chose, parce que lorsque quelqu'un essaye de privatiser le rivage en Corse, maison, villa, plastique, voilà, très important. Les fleuves et l'air. Et Cicéron dira la chose suivante, il dira dans ses écrits politiques que l'air, l'eau, les océans, les fleuves appartiennent à tous dans la mesure où il faut obéir aux principes de la nature qui les a créés. La nature a créé ces res qui de facto les rendent communs à tous les êtres humains et non appropriables. Et là on va revenir à la question de l'eau qui est très intéressante. C'est qu'une déesse, alors là j'oublie à chaque fois son nom parce que c'est pas la plus fameuse, qui s'appelle Latona dans la mythologie romaine. Latona est une déesse qui veut s'abreuver à une source et elle en est empêchée par des bergers qui lui défendent l'accès à cette source qu'ils se sont appropriés. Ignorant que c'est une déesse, eh ben, elle les transforme en grenouilles en leur disant qu'effectivement, au nom des communs, des biens communs, il y a un devoir de réciprocité hein, concernant l'accès à l'eau. Qui est un droit, comme dit Ricardo, qui est un droit à la vie. Hein. C'est-à-dire que sans eau, tu peux boire du coca 20 ans, je ne sais pas si vous allez devenir, mais l'eau, c'est vital. Donc, on va avoir cette notion. Alors, il faut savoir qu'à Rome, au IVe siècle, vous avez les grands aqueducs romains qui acheminent l'eau. Il faut savoir qu'à peu près la moitié de cette eau est réservée à l'usage public gracieux des citoyens romains. Je ne sais pas qui des esclaves. Enfin, les esclaves, il fallait bien aussi les hydrater pour qu'ils continuent à travailler. Oui. Vous allez avoir une partie d'eau acheminée vers des concessions privées, des concessions plus souvent agricoles, et puis à peu près, on dit à peu près 17% pour avoir les statistiques fiables, qui est acheminement, disons, pour l'empereur et toutes les intendances de l'Empire, y compris l'armée. Donc on a chez les Romains un usage public, un service public de l'eau. En plus, on ne la paye pas. Tandis que là, on vous la facture un petit peu comme ça, même dans le cadre d'un service public, c'est normal, pour financer les infrastructures. Donc ça, c'est très intéressant dans le droit romain. Ensuite, on va se projeter des siècles après et on va avoir des communs d'une toute autre nature, notamment bas Moyen-Âge, au Moyen-Âge. On va trouver la première charte, le traité de la charte des forêts du royaume danois au Xe siècle. C'est-à-dire que on va l'avoir celle plus importante en Grande-Bretagne de la part du roi Jean sans Terre, porte bien son nom, Jean sans Terre, qui rédige une charte des forêts qui consiste à ceci. C'est-à-dire que vous soyez sujet d'un seigneur, vous avez toute latitude, vous avez la liberté, par exemple par le droit d'affouage, pour collecter le bois, réparer votre maison, vous pouvez prélever dans la forêt toutes les ressources nécessaires à votre subsistance, sans contrepartie et sans monétisation, sans contrepartie monétaire. C'est très important. Cette charte des forêts, des gens sans terre. Alors, on va appeler ça, dans toute la période du Moyen-Âge, les droits communaux ou les droits banaux. Droits banaux, c'est un four banal, par exemple, ça peut être un lavoir, dans une commune, dans un village. Ce n'est pas un service public, attention. Hein. C'est-à-dire que le service public, il s'oppose, par exemple, il est dans une relation d'antagonisme, parce qu'il y a de la propriété privée, il y a du service public, c'est ça. Au niveau du monde médiéval, c'est des devoirs de réciprocité. Hein, qui sont envisagés. Hein. C'est des devoirs de réciprocité. Hein. Pour l'accès, allez, le terme est toujours embêtant de ressources, celui-là aussi, on va essayer de, à un moment donné de le casser l'année prochaine, etc. Mais vous allez avoir, donc, garantir un droit à la subsistance par les biens banaux et les biens communaux. Oui. On y reviendra pas peut-être. Oui. Ah, ben on va aller faire un tour.
remercie de cette information. Donc on va avoir un rôle excessivement important en cette période qu'on appelle Moyen-Âge, qui est souvent dévaluée, à tort, parce qu'on fait prévaloir justement les lumières de la Renaissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la vie intellectuelle et philosophique au Moyen-Âge? Je vous invite à vous y pencher, c'est quelque chose de fabuleux qui était complètement occulté. Et qu'est-ce qu'on va... Alors on va se retrouver dans une période qui va être un tournant. Vous le connaissez, pour celles et ceux qui ont déjà participé à des sessions d'université, ça va être le mouvement des enclosures en Grande-Bretagne qui va créer des révoltes, d'ailleurs, c'est-à-dire l'émergence, la propriété privée, bien évidemment, qui existait chez les Romains. Mais comment dire, la force de propriété privée comme force instituante et de légitimation du droit à la vie primordiale qu'est la propriété privée va véritablement émerger au XVIIe siècle en Angleterre. Et là, on va voir le système des enclosures. Plus de pâturage libre, j'enclos, c'est à moi. C'est comme ça que va émerger ce qu'on appellera, moi ce que j'appelle, c'est plutôt le proto-capitalisme. Et qui va être une forme de déclin des communs, des biens communs, et on va avoir des révoltes, des commoners, des paysans dépossédés qui vont aller vers les grands centres urbains parce qu'ils ne trouvent plus de quoi subsister dans les campagnes à cause justement de cette privatisation. Alors, je vais bientôt terminer, encore deux minutes, peut-être, alors que j'ai la gorge sèche. Le capitalisme véritablement va amorcer le déclin des communs. Il ne va pas les saliner totalement, mais leur importance va être quasiment même. On a des formes de socialisme au XIXe siècle, dans les socialistes français, les communs, il faut être dans la révolution industrielle, ce sont des archaïsmes, des survivances du passé, il y a eu des discours de socialistes français à la fin du XIXe siècle de cette nature. On va avoir une résurgence très importante des communs avec la première révolution française. Après Napoléon, avec le consulat, c'est autre chose. Mais la première révolution française, la restauration et l'importance des communs est fondamentale. D'ailleurs, il n'y a pas de député à l'époque. Il y a ce qu'on appelle, vous disiez Yannick Bosque, un historien qu'on a invité, qui travaille beaucoup sur la Révolution française. On a les décisions fondamentales de la nation se prennent au niveau des communes. On parle beaucoup de municipalisme aujourd'hui. Dans la Révolution française, c'est les communes. Il n'y a pas le pouvoir jacobin, c'est une illusion. Tout est décentralisé au niveau du pouvoir des communes. D'ailleurs, il n'y a pas de députés, il y a des commis de confiance qui ont le pouvoir exécutif pour mettre en œuvre des choses qui sont de l'ordre du commun. Par exemple, un exemple, c'est la répartition équitable des matières premières à destination des différents corps de métier dans un village. Il faut même dire à l'époque, parce que les femmes avaient le droit de vote dans les communes, au même titre que les hommes. Après, Napoléon sera passé par là, le code civil, suffrage censitaire plus tard, et effectivement, le code civil et le code féril aussi, parce que Napoléon, effectivement, a minoré à l'extrait le droit des femmes. Donc, ça, c'est un petit panel, un aperçu, en quelque sorte, un florilège de l'histoire des biens communs. Tu as parlé effectivement de l'impulsion qu'a pu donner Madame Ostrom, prix Nobel d'économie sur les communs, mais je voudrais pour terminer faire une remarque pour revenir faire retour au droit romain, parce que les principes de la nature évoqués par Cicéron, le fait, le caractère inaliénable, c'est-à-dire le fait, en fin de compte, les Romains disaient la chose suivante, s'il y a de la res communis, c'est-à-dire il faut dissocier, déconnecter la notion de prix de la notion de valeur. C'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, j'entends certains écologistes qui parlent de la biodiversité en disant c'est notre capital naturel. Et on grignote notre capital naturel. Vous entendez pas, on parle de la nature, capital naturel. Les mouettes, les requins, capital, les orages, la grêle, capital naturel. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui on évoque, et là ce sont des nouveaux communs pour le coup, Alexandre tu vas nous parler des communs négatifs, qui sont une chose assez fascinante, mais émerge, et ça les peuples autochtones notamment ont une conscience suraiguë, ce qu'on va évoquer aujourd'hui comme étant thématisé comme les droits de la nature ou les droits encore des non-humains qu'on a pu aborder.
mais qui font totalement écho à la dimension d'inappropriation de nature des res communis portés par le droit romain. Vous voyez ? Donc voilà, je vais m'arrêter là, et puis on aura. C'est dommage de s'arrêter maintenant, parce qu'il y aurait pas beaucoup de choses à dire, parce que mais je m'en suis aussi tenu à l'Occident. Hein. Il faudrait aller en Océanie aussi, il faudrait aller en Sibérie orientale, pour savoir ce qu'il en est, il faudrait aller au Canada. Une forme d'exploitation à une forme d'extractivisme. Mais il y a d'autres manières de penser les communs, je pense que notamment, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais il y a une notion que je trouve particulièrement intéressante, qui est la notion d'un commun. Donc là, on parle du fait qu'il y a un commun, donc quelque chose qui est commun pour une communauté, mais en fait, on n'est pas tous d'accord avec l'environnement. Et par exemple, bah, ça se pose en termes de ressources. Si on caractérise comme une ressource pour une communauté ce qui pour une autre communauté et je ne sais pas, moi, une entité sacrée, et bien on a un conflit. On a un conflit qui peut être un conflit de cosmologie, on a un conflit qui peut être aussi un conflit politique, un conflit aussi par rapport à la trajectoire qu'on veut donner à cette réalité. C'est pour ça que moi je parle souvent de réalité à la place de ressources, des réalités au pluriel, de toute nature. Voilà, ça veut dire que c'est le bon terme et que c'est un terme qui peut être pratique aussi à substituer à la notion de ressources quand on en éprouve le besoin. Et en fait, ma réflexion sur les communs négatifs, j'ai en tracé quelques lignes ici simplement, est partie effectivement de ce milieu notamment des tiers-lieux, on fabrique des communs, on réfléchit au statut des communs, on est aussi sensible à ces évolutions, dans la notion même de commun, qui viennent du monde de la recherche, mais d'ailleurs également, parce que le monde des communs est transverse de ce point de vue-là. Et il partait aussi d'un sentiment de... comment je pourrais dire ça? Un peu de malaise presque à un moment donné, parce que les communs étaient devenus un petit peu la solution à tout. Je vous rappelle, hein, il y a un livre qui a été publié, c'était Sauver le monde, et c'était un livre qui parlait des communs, et il me semblait qu'effectivement, à partir du moment où on écrivait un livre Sauver le monde qui parlait vraiment des communs, là on exagérait un petit peu parce qu'on mettait une pression très très forte finalement sur les praticiens et les praticiennes des communs, essayer à leur niveau de fabriquer justement des communs, de redonner prise à cette pensée-là, et que tout d'un coup l'impératif qui aurait été fait c'était de sauver le monde. En plus, en pleine, c'est au milieu des années 2010, donc c'était milieu des années 2010, c'est aussi la COP21, les accords de Paris, c'est aussi tout ce discours qui se développe autour de l'urgence climatique, de l'anthropocène, etc., etc., sans exclure évidemment d'autres limites planétaires, parler de la biodiversité, de toutes ces choses-là. Et donc, ça me semblait qu'il ne fallait pas simplement voir les communs comme une solution à l'anthropocène, au franchissement en cours des limites planétaires, à la crise climatique, mais qu'il fallait aussi resituer les communs dans la perspective justement de l'anthropocène et peut-être les repenser à cette aune-là. Et donc ça a été un petit peu le geste que j'ai essayé de faire à l'invitation notamment de Sylvia Fredrickson, qui est aussi une praticienne et une théoricienne des communs et de leur documentation hors pair. J'en profite pour mentionner son nom ici. Et en fait, il m'est apparu que, à côté de la problématique qui est une problématique finalement un peu commune à Elinor Ostrom, qui a été mentionnée précédemment, et à Gareth Hardin, le fameux auteur de la vraie fausse tragédie des communs, ben, il y avait une problématique sous-jacente qui leur était commune pour le coup, qui était justement la volonté d'éviter une appropriation et une destruction de la ressource, mais simplement que les remèdes que l'un et l'autre promulguaient n'étaient pas les mêmes. Le remède de Hardin, c'est bien connu, c'était l'appropriation collective qui détruit la ressource. On doit lui substituer une appropriation plus individuelle en termes de propriété privée, mais c'est pour éviter la destruction de la ressource. C'est bien ça la problématique sous-jacente. Et la question de Ostrom, c'est un peu la même question, sauf que sa réponse, c'est de dire la gouvernance collective par les communs fonctionne, et donc on n'a pas besoin obligatoirement de basculer vers la propriété privée. Alors elle fonctionne, après, il y a selon des échelles, selon des principes de gouvernance, et tout son travail, c'était justement de caractériser un petit peu tout ça. Il y a quand même une question commune qui est d'éviter cette forme d'appropriation qui va détruire justement la ressource. Donc on est dans un monde avec des ressources positives, il faut éviter leur destruction. Et avec l'anthropocène, la dégradation globale de l'habitabilité du monde, bien mon constat c'était, et c'est toujours, qu'on se retrouve aussi avec d'autres réalités dont il faut s'occuper, qui ne sont pas simplement des ressources un peu bucoliques ou champêtres,
qui étaient un peu les ressources qu'on évoque lorsqu'on parle des communs au départ. On va parler de prairies, ça peut être des rivières, on va faire boire les animaux, on va boire soi-même, ça peut être les forêts évidemment, on va chercher le bois, on va l'utiliser pour fabriquer des maisons, etc. Donc il y a cet imaginaire très fort et qui est très intéressant, mais assez naturaliste, positif, d'un environnement donc habitable. En même temps, un environnement qui se dégrade, une habitabilité du monde qui se dégrade, et donc des forêts qui sont en train de disparaître, des rivières qui ne sont plus des rivières poissonneuses, des prairies qui sont en fait des sols toxiques, etc. Et qu'est-ce qu'on fait finalement de ces réalités-là, qui se sont multipliées effectivement avec, on appelle ça comme on veut, le capitalisme, la modernité, etc. Qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont les vestiges aussi d'une destruction passée ou en cours, ses conséquences, ses symptômes également. Qu'est-ce qu'on fait de ces réalités-là qui ne vont pas, dont le monde ne va pas diminuer dans les prochaines années, mais on pourrait en ajouter d'autres, bien sûr, et j'y reviendrai dans quelques instants. Et donc la problématique de ce point de vue, elle se renverse. C'est pas des réalités que tout le monde veut s'approprier, il faut imaginer les règles de gouvernance pour éviter une appropriation destructrice, mais ce sont des réalités dont finalement personne ne veut hériter, mais qui sont en même temps nombreuses, qui sont là, et toute la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire demain. Ça c'était un petit peu le point de départ, je vais y revenir, mais en fait ça m'a permis aussi, et des gens m'ont alerté sur le fait que la notion même de commun négatif avait été utilisée au début des années 2000 par deux chercheuses, spécialistes notamment d'écoféminisme, deux sociologues allemandes, Maria Mies, chercheuse bien connue dans ce domaine de l'écoféminisme, et Veronica Benholt-Thomsen. Et en fait, très rapidement, mais elles avaient parlé de commun négatif pour dire qu'il faut revitaliser la pensée des communs au Nord, dans le monde occidental, et pour revitaliser la pensée des communs avant que de l'exporter dans le Sud, avec tous les risques que ça peut induire parfois, eh bien, le premier commun, finalement, qu'il faut se réapproprier au Nord, eh bien, ce sont peut-être les déchets. Elles déposaient ça comme ça, alors c'est en lien, évidemment, avec les problématiques qui intéressent l'écoféminisme et le féminisme en général sur l'économie du quotidien et toutes ces questions-là, et la gestion finalement des déchets, en disant voilà, avant les déchets, je vais être très rapide là-dessus, mais étaient gérés, pris en charge par des communautés elles-mêmes, c'était pas des déchets qui perduraient dans le temps, ils étaient absorbés par la communauté, les communautés d'humains et de non-humains, d'animaux, etc. Ils étaient digérés finalement par la communauté, et puis avec le capitalisme, avec les sociétés marchandes, communautés ont été brisées et leur ont été substituées justement d'autres manières de fonctionner. Il y a eu un traitement centralisé des déchets par des acteurs économiques avec des visées capitalistiques, de faire du profit, et donc ces déchets ont été retirés aux communautés. Et elles disent, voilà, si au Nord on veut revitaliser une économie des communs, qui sont aussi une économie du quotidien, eh bien peut-être que le premier acte, c'est de reprendre ces déchets, qu'elles appellent un peu ironiquement des communs négatifs, qui ne sont pas vraiment négatifs, ou alors ils sont assez bénéfiques pour revitaliser les communautés, et voilà, c'est la première voie vers une réappropriation plus large de ces communs en général. Alors, je vais passer sur cette histoire, mais il y a un fil intéressant, il y a un auteur japonais au milieu des années 2010 qui reprend cette notion de commun négatif, et lui il caractérise le commun négatif du côté de l'infrastructure de traitement des déchets. En général. Donc il y a un déplacement du déchet vers l'infrastructure. Il dit ben, l'infrastructure c'est un peu le commun négatif parce que personne veut d'une usine de traitement de déchets à côté de chez soi par exemple. Voilà. Il dit en même temps il y en a besoin, c'est une vision très technocratique qui développe, mais en même temps personne n'en veut, c'est le nimbyism, hein, not in my backyard, pas dans mon jardin, on ne veut pas ce genre de réalité, il dit. Mais il y a quand même quelque chose de commun, ça rend un service collectif, et donc voilà, il essaie de développer une réflexion là-dessus. Et puis derrière, il y a un penseur japonais aux alentours de 2017-2018, Sabu Koso, penseur et militant japonais, qui écrit lui sur Fukushima, et qui va un petit peu au bout de cette logique du déchet, parce qu'il prend comme exemple d'un déchet quelque chose qui n'est déjà plus un déchet en fait, qui est ce qu'on appelle le déchet nucléaire, mais qui ne fonctionne plus comme un déchet parce que justement, contrairement aux déchets d'avant, aux déchets historiquement, avant la modernité, eh bien, le déchet nucléaire ne peut plus être absorbé par la Terre. Il interrompt le cycle finalement d'absorption des déchets, bien connu, et donc il y a quelque chose là qui interrompt ce cycle et qu'on se retrouve finalement à avoir sur les bras et qui pose évidemment des problèmes très, très nombreux. Et ça m'a aussi beaucoup
beaucoup intéressé parce que c'est vrai que moi, j'ai d'une certaine manière aussi essayé d'aller au bout de cette réflexion, mais à côté, sans en avoir connaissance à ce moment-là. J'ai essayé de retisser quelque chose par la suite, en pensant justement à les communs négatifs, non pas comme des déchets qui vont vers peut-être autre chose, vers les ruines de Sabukoso, mais plutôt comme des ruines, précisément. En expliquant, effectivement, aujourd'hui, ben, on hérite d'un certain nombre de milieux qui sont pollués, qui sont dégradés, dont l'habitabilité est menacée. On hérite d'un certain nombre de réalités comme les déchets nucléaires, qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, on en hérite dans les deux cas, et c'est un problème. On se pose la question de savoir ce que l'on en fait. Ça, c'est ce que j'appelle notamment des ruines ruinées. On voit que ce sont des vestiges d'une activité, d'une destruction, d'un extractivisme. S'en sont aussi la conséquence et la rémanence. Mais, à côté de ça, il me semble aussi qu'il y a d'autres formes de ruines qu'il faut politiser. Je vais revenir sur ces deux ruines dans quelques instants. Ce que j'appelle, moi, des ruines ruineuses, cette fois-ci. Pourquoi parler de ruines ruineuses? Parce que, il y a une phrase du philosophe Walter Benjamin que j'aime beaucoup, philosophe allemand qui est mort en 1940, poursuivi par les nazis. Et Walter Benjamin, dans un livre qu'il n'a jamais publié de son vivant, qu'il n'a jamais terminé d'ailleurs, qui est un ensemble de textes en réalité, qui est un livre monumental, un livre des passages, il explique, il y a une phrase comme ça où il explique quelque chose en disant ben, en fait peut-être que la vraie ruine aujourd'hui c'est la ville bourgeoise à son époque, et donc la vraie ruine c'est le comble de la modernité, c'est le comble de la nouveauté, c'est le comble du neuf. C'est pas du tout une ruine romantique, une ruine qui ressemble à une ruine, le résultat d'une destruction passée, mais c'est plutôt en fait une destruction en cours. Et ce qu'il entend par ici la ville bourgeoise, c'est justement la ville bourgeoise dans son fonctionnement, qui suppose des prolétaires, qui suppose une forme d'impérialisme, qui suppose une forme d'extractivisme, des inégalités, des états-nations avec la violence qui va avec, etc., etc., etc. Et donc c'est ce fonctionnement ruineux, finalement, c'est comme ça que moi je l'interprète, qu'il a en vue. Et effectivement, il y a l'idée que... ben, on hérite aussi d'un certain nombre de communs négatifs et qu'on ne va pas forcément toutes et tous qualifier comme étant des communs négatifs. Ça peut être mon smartphone qui me lie, par exemple, moi individuellement, à des proto-esclaves à Taïwan qui l'assemblent, à des enfants qui vont chercher le coltan dans les mines au Kivu, au Congo, etc., etc. Et ça peut être énormément, effectivement, d'autres artefacts, objets techniques, infrastructures, modèles, font fonctionner finalement nos sociétés de manière très 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 large, mais qui sont en même temps ruineux, à la fois pour l'avenir, pour le climat, pour tout ça, mais déjà au présent, pas seulement dans la vie. Et donc la question qui se pose par rapport à toutes ces réalités-là, effectivement, c'est comment les politiser et comment finalement se les réapproprier et à quelles conditions. Il y a une différence effectivement très notable par rapport au commun traditionnel. Ce que je disais en introduction, c'est que dans le commun traditionnel, il y a un rapport presque naturel, qui en réalité est beaucoup plus compliqué que ça, mais dans la fameuse répartition ressources, communauté, règles de gouvernance, c'est un rapport très simple. Il y a un rapport très simple entre la ressource et la communauté d'usage, qui fixe justement ces règles d'usage. En réalité, il y a souvent un conflit sur quelle est la communauté d'usage, quelles sont ses prérogatives, etc. Mais dans cette présentation, on a presque l'impression que cette difficulté-là, pardon, elle est offusquée, et elle disparaît un petit peu. Avec les communs négatifs, effectivement, on n'a plus affaire à des ressources. Ce ne pas des ressources qu'il faut exploiter, ce ne pas des ressources positives, ce ne pas des ressources bucoliques, ce ne pas des choses comme ça, c'est des choses avec lesquelles il faut vivre si on ne peut pas s'en passer, ou sans lesquelles il faudra mieux vivre si on arrive à s'en passer. Et aller peut-être du vivre avec ou vivre sans, en tout cas se poser ce type de questions, essayer de leur donner en tout cas une autre trajectoire. Et donc toute la question qui se pose pour les communs négatifs, en fait, c'est comment est-ce qu'on s'en empare, à quelles conditions, et comment est-ce qu'on passe d'une situation de fait, justement, à la capacité, précisément, à s'en emparer, à les interroger politiquement, à leur donner une autre trajectoire. Et ça veut dire, une des conditions, c'est que le collectif qui en bute à ces communs négatifs ne soit pas laissé seul pour se débrouiller face à ces communs négatifs. Je prends un exemple très, très simple. C'est-à-dire qu'il faut élargir en fait la communauté du commun négatif pour impliquer aussi celles et ceux qui sont à l'origine de l'existence de ce commun négatif. Je prends un exemple très simple. Dans une ville américaine, dans l'Illinois, qui est la ville de centre-ville, la
cas qui m'a beaucoup intéressé depuis plusieurs années. C'est une ville habitée quasi exclusivement par des Noirs américains, qui est, pourquoi ? Parce que c'est lié à des émeutes raciales au 19e siècle, à toute une histoire, un contexte compliqué. C'est une des villes les plus pauvres des États-Unis. C'est vraiment une ville extrêmement pauvre selon les critères, les standards américains. Et c'est une ville, en fait, pour dire très vite, où les eaux usées ne circulent plus. Les infrastructures des villes alentours, de manière plus ou moins volontaire, avec le temps, eh bien, empêchent les eaux usées de la ville de centre-ville de circuler. Ce qui fait qu'à certains endroits, quand quelqu'un tire la chasse d'eau, ces déjections se retrouvent dans son jardin. Ils sont gorgés d'eau, gorgés de déjections, gorgés de toutes sortes de choses. Et quand vous avez un territoire qui est gorgé d'eau de cette manière, eh bien, ça devient rapidement un territoire qui est inhabitable. Et donc, toute la question pour cette population-là, c'est pas de se débrouiller seul face à cette tragédie, parce que c'en est vraiment une, dans les conséquences qu'on peut observer, face à cette situation. Ça, ce serait une approche par la résilience. Débrouillez-vous, vous êtes dans une forme d'empowerment, et c'est formidable. Là, on aura un rapport direct entre le commun négatif et la communauté. Tout l'enjeu, au contraire, c'est de recomposer un territoire habitable en élargissant la communauté concernée par ce commun négatif et en intégrant notamment les villes alentours qui sont volontairement ou involontairement responsables de la situation, qui sont à l'origine de la situation du fait justement de leur fonctionnement même. La ville de centre-ville, c'est son nom, c'est son nom. Centre-ville dans l'Illinois, à côté de la ville de Saint-Louis. Et donc voilà, l'enjeu avec les communs négatifs, c'est une extension, comme je disais, du public confronté à ce commun, qui ne doit pas être laissé seul pour se débrouiller, avec les acteurs qui sont responsables des causes, des conditions qui font que la situation existe. Et il ne s'agit pas simplement de traiter les conséquences a priori, par exemple, comme avec les externalités négatives. Et donc, on pourrait dire, mais ce sont des communs négatifs, au départ, ce sont des communs de fait. C'est-à-dire que ce commun pour les habitants de centre-ville, c'est un commun de fait. C'est pas encore un commun au sens ostromien du terme. Il n'y a pas de règles de gouvernance qui ont été proposées. Et effectivement, c'est une différence forte entre les communs négatifs et les communs traditionnels, mais je dirais, en fait, peut-être pas tant que ça, en théorie, oui, mais comme tout commun, je pense, aujourd'hui, en fait, c'est un peu un commun de fait qu'il faut communiser, parce qu'il n'y a pas dans la loi vraiment de place pour les communs à côté des biens publics et des biens privés. En tout cas, en France, il n'y a plus de place véritablement pour ça, il y a des rémanences dans le droit, mais il n'y a pas une place forte qui est donnée. Eh bien, je pense que tout commun, il est dans un mouvement d'être rendu commun, d'être communisé. C'est plutôt cet acte de commoning, comme on dit au monde anglo-saxon, ici, qui est important et qui peut s'appliquer à des réalités plus ou moins bucoliques, plutôt plus bucoliques pour les communs traditionnels et beaucoup moins bucoliques, effectivement, pour les communs négatifs. Mais on est sur un continuum, on n'est jamais sur des communs qui sont de purs communs, avec toutes les règles ostromiennes, voilà, etc., etc. On est toujours dans un effort qui passe par un conflit pour rendre quelque chose commun. Et donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a du conflit pour les communs positifs, pour arracher le commun au bien public et au bien privé, et il y a un effort pour les communs négatifs, pour faire reconnaître quelque chose comme un commun négatif, et pour impliquer celles et ceux qui sont responsables de l'existence de ce commun négatif. Et j'ai terminé quasiment là-dessus, je suis aussi... oui, donc, juste pour dire ça, il y a un enjeu ici, de ce point de vue-là, dans la politisation des communs négatifs qui est important, c'est justement dans le fait qu'on ne va pas forcément toutes et tous reconnaître quelque chose comme un commun négatif. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à se mobiliser pour dire qu'un certain nombre de réalités, pour les uns, sont le fruit du progrès, ce vers quoi il faut aller, sont en fait des modèles qui sont intenables, et arriver justement à les politiser, à les faire reconnaître comme des modèles intenables, pour leur donner une autre trajectoire, et imaginer aussi les institutions pour le faire. C'est un exemple de gestion positive qui marche, de gestion communautaire, mais j'ai préféré en fait aujourd'hui vous parler, après l'excellente exposition d'Alexandre Bonnard, d'un exemple de commun négatif. J'avais entendu la présentation du concept de commun négatif par Alexandre Bonnard à une autre opportunité de l'Université Bien Commun Éternel Solidaire à Paris. Et ça fait énormément écho
un cas dont j'aimerais vous parler aujourd'hui parce que ça va permettre en fait d'illustrer aussi, si je peux me permettre, ce concept de commun négatif. Et par ailleurs, pour ne pas rester que dans l'illustration de ce cas, donc ce cas se trouve au Chili, hein, il s'agit du troisième plus gros réservoir de déchets miniers du monde. Donc je vous en parlais un petit peu parce que j'y ai vécu pendant plusieurs années et voilà, je suis ce cas depuis longtemps. Et il a semblé intéressant de mettre en relation l'exposition de ce cas avec les bouleversements qui sont en train de s'opérer au Chili avec l'écriture d'une nouvelle constitution. Alors là, du coup, je suis contente d'avoir entendu Patrick parler de métamorphose parce que là aussi, j'ai senti que c'est vraiment ce qui est en train de se passer au Chili. Comment on est passé finalement d'un modèle extrême de négativité et puis pour aller vers un bouleversement et perdre la peur de la peur, on en parlera. Et aller donc vers la réécriture d'une constitution au Chili qui est un gros commun finalement puisque c'est la redéfinition de règles de gouvernance d'un pays, enfin de gouvernance ou de règles de fonctionnement du pays. Donc je vais, voilà, c'est intéressant de montrer cette progression. Donc d'abord pour parler du cas de cette illustration de commun négatif qui est ce réservoir de déchets miniers. Donc c'est un monstre, hein, c'est une vallée du Chili qui a été transformée en dépotoir dans les années 2000. Moi, j'ai connu ce cas parce que, à l'époque, en 2012, j'étais au Forum interdit mondial de l'eau et des habitants de la ville de la communauté de Caimanes étaient venus dénoncer à l'occasion de ce forum le fait que la violation du droit à l'eau, qui n'avait plus d'eau propre à consommer dans le village suite à cette intervention minière. Et alors, j'ai décidé de partir avec la vague de la Fondation France Liberté et avec ma caméra, puisque ma pratique, moi j'ai dit tout à l'heure, je suis anthropologue de formation, mais j'aime accompagner ma pratique toujours d'une caméra, je fais film documentaire et ça me permet d'utiliser aussi la caméra pour que les acteurs puissent s'exprimer et pour dénoncer aussi ce qui se passe sur les lieux. Donc dans ce cas-là, je suis partie en 2013 à Caimanes et j'ai accompagné pendant 4 ans la défense du droit de ses habitants avec des communications qui ont été portées auprès de la Commission des droits de l'homme et puis plein de films et des vidéos qui ont été diffusées sur YouTube. Donc voilà, ce qui se passe, c'était une communauté qui jusqu'en début des années 2000 vivait assez tranquillement et qui a finalement s'est retrouvée punie parce qu'en fait elle disposait d'un espace de montagne qui était parfait pour entreposer des déchets miniers. Les déchets miniers, c'est un maillon de la chaîne du processus minier qui est souvent caché. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur la page web de l'entreprise minière, on n'en parle pas. C'est difficile de trouver, d'avoir accès aux informations parce qu'on parle volontiers de la production minière et de tout ce que ça a pour apporter. Donc moi, je vais vous raconter l'histoire d'un mouvement qui s'appelle Lui sur Clémette. C'est le mouvement de la jeunesse pour le climat. On s'est créé en 2019 à la suite de l'appel de Greta Thunberg dans un moment d'urgence où on pensait gagner les combats en un an. C'était vraiment le climat qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait une politisation qui était très rapide de personnes qui n'étaient pas du tout dans ces milieux-là à la base. Et assez vite, il y a eu une désillusion, c'est-à-dire qu'on n'allait pas du tout gagner pendant un an. Et puis la vision qu'on avait des questions écologiques, qui était très environnementaliste et technosolutionniste globalement, était complètement hors de ce que c'est vraiment la lutte écologique et du système auquel on se bat. Et on a eu la chance en fait d'être dans un moment politique qui était super intéressant, qui était la période des Gilets jaunes et qui était la période aussi des mouvements contre la réforme des retraites. Ce qui nous a forcé, nous, en tant que mouvement écologiste, à repenser comment on milite sur les questions d'écologie, plus que sur les questions purement est-ce qu'on va avoir de l'eau ou pas, est-ce qu'il va y avoir des sécheresses ou pas, mais qui crée ce système dans lequel on est. Et quel est le système qu'on a actuellement qui crée ces problèmes environnementaux. Et donc assez rapidement, le mouvement s'est structuré autour de certaines valeurs qui sont l'anticapitalisme, l'antilibéralisme, les questions aussi de lutte contre les oppressions, parce qu'en fait la question écologique est avant tout une question d'oppression des plus riches sur les plus précaires, des pays riches sur les pays les plus affectés par le changement climatique. Souvent les pays du Sud et souvent les pays qui ont très peu profité de la mondialisation et de la croissance et qui
eux, sont directement impactés par ces impacts du réchauffement climatique. Donc ce mouvement-là s'est structuré autour de ces valeurs-là, et assez rapidement, on a vu la fin, on a vu la limite que portaient les modes d'action, typiquement les marches, que beaucoup de mouvements portaient, et courant septembre 2019, on a vu émerger d'autres moyens d'action, d'autres méthodes de fonctionnement et de lutte, typiquement l'occupation d'une centre commercial Vitalie 2, je ne sais pas si ça permet, enfin des gens en ont écho, qui était vraiment une convergence de plusieurs luttes, qui étaient la question de la lutte contre le racisme, avec tout ce qui était le collectif Adama. On avait le lien qui était avec les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes ont vraiment apporté énormément au mouvement climat sur les questions de démocratie. C'est-à-dire que le climat, on ne peut pas l'imposer, la question climatique, on ne peut pas l'imposer. C'est avant tout une question de gouvernance, comment on structure la société. Et on avait les jeunes pour le climat qui débarquaient dans cette lutte sociale et environnementale. Et par la suite, on a enchaîné sur des modes d'action toujours plus à l'avant-garde. On a eu des occupations et de la réappropriation de lieux, donc typiquement l'ouverture de squats sur la partie, je ne sais pas si vous voyez le quartier de Saint-Marthe, qui est au niveau de l'Île-de-France, enfin au niveau de Paris, qui est un quartier en cours de gentrification et qui est maintenant plus que gentrifié. Et la question, c'était de recréer des lieux qu'est-ce qu'il y a aucune idée, je connais pas d'avancement de Paris, mais juste dans le dixième, voilà. Dans le... Oui. Ouais, Sainte-Marthe, pas Sainte-Marthe, voilà. Et donc là, c'était la question aussi de créer des nouveaux lieux de lutte, parce que, typiquement, dans notre éducation, dans nos espaces en tant que lycéens, étudiants, ce qu'on nous apprend, c'est l'individualisme, c'est la méritocratie, c'est tous contre tous, et pas de collectif, et on ne nous apprend pas, en fait, l'aspect social, c'était cloisonné, par exemple, moi, je fais des études de sciences, ces études de sciences, entre guillemets, dures, on méprise les questions sociales, il y a très peu de liens qui est fait. Et donc ces espaces-là de... des tiers-lieux, comme vous pouvez les appeler, de discussion, de partage et de mixer un peu des personnes qui n'ont pas le même vécu, a permis énormément d'enrichir ce mouvement-là. Et donc, depuis, le mouvement a pour vocation l'émancipation de la jeunesse, de permettre à des personnes qui n'auraient pas été touchées par la lutte de s'émanciper, et aussi de soutien aux luttes locales et globalement d'organiser une lutte radicale et sur les questions écologiques. Et donc dans ce cadre-là, les biens communs se posent, c'est-à-dire que la majorité de nos luttes sont sur les biens communs, même si on ne sont pas explicites. Deux choses. D'une part, et c'est une autocritique que je fais, en employant le terme de peur, ça induit une confusion. J'aurais mieux fait de parler d'angoisse que de peur. Pourquoi ? Parce que la peur, au sens précis du terme, elle situe des menaces précises et elle crée une réaction de défense légitime par rapport aux menaces. Et de ce point de vue-là, c'est ce que Anjonas avait appelé l'heuristique de la peur, il y a un bon usage des peurs. Il est sain de pouvoir avoir peur d'être victime d'un méga feu, d'une élévation du niveau des verres, je ne sais pas quoi. Par contre, quand la peur se transforme en angoisse, là, on est dans une mélasse où tout est indistinct et autant les peurs déclenchent de la réaction de vie, autant l'angoisse déclenche de l'impuissance ou de la sidération. Donc, c'est pas du tout par rapport à la partie fondamentale de ta question, mais je tiens à le préciser parce que très souvent, et je suis le premier à le faire, l'usage indistinct du terme peur peut créer aussi ce malentendu. Alors, ensuite, moi j'aime beaucoup Gramsci, et je me suis nourri de Gramsci depuis très longtemps, mais je pense que c'est plutôt Édouard Glissant que Gramsci qui nous a dit. Et que
y compris la recherche de l'hégémonie, fût-elle culturelle, est une erreur profonde. Parce que toute hégémonie déclenche, comme le dit Glissant, des réactions du côté des identités racines. Parce que c'est de la domination, de l'absorption, etc. Alors, on peut dire, ben oui, mais c'est moins grave que ce soit de la domination culturelle plutôt que de la domination politico-économique. C'est quand même de la domination et qui déclenche ces phénomènes d'identité raciale. Et je pense qu'il nous faut nous libérer de la recherche hégémonique. Et justement, si on veut, ce que propose Glissant, être capable de co-construire du commun, cette co-construction suppose qu'il n'y ait pas un acteur qui soit perçu par les uns et les autres en position hégémonique. Bon. Et ça, c'est en quelque sorte une prolongation, y compris sur le plan politique, c'est-à-dire que je pense qu'une des erreurs que les écolos sous forme politique ont fait en France à l'occasion de cette campagne électorale, c'est qu'ils ont cru avoir gagné, comme on disait, la bataille culturelle, et que du coup, il allait leur arriver comme une espèce d'un fruit mûr, une capacité de domination politique. Et donc, ils ont sous-estimé, par exemple, ce qui se passait du côté de Mélenchon, mais aussi ce qui se passait du côté de toute une partie des acteurs de la société civile, qui étaient fondamentalement écolos dans leur trip, mais qui n'avaient pas particulièrement envie de voir assurer une espèce d'hégémonie politique des écolos. Voilà. Donc je pense que revisiter la question de l'hégémonie à la lumière d'Edouard Glissant, ça me paraît utile. Oui, effectivement, alors c'est très intéressant cet exemple qui a été présenté ensuite du Chili. Notamment, et moi j'ai réfléchi en entendant l'intervention, parce que on voit aussi d'une certaine manière, le Chili il a un héritage négatif qui est le néolibéralisme. Friedman, Hayek, c'est des décennies finalement de néolibéralisme, d'expérimentation, etc. Et c'est pas quelque chose dont on se défait d'ailleurs du jour au lendemain, même s'il y a une révolution, ça a été dit tout à l'heure sur le paradigme de la révolution, un petit peu, c'est un switch, mais en fait il y a quand même quelque chose qui perdure de ça, et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage-là, et c'est d'ailleurs la question qui va se poser aux autorités chiliennes. C'est même si on met en place une nouvelle constitution, il y a d'anciennes manières de fonctionner, d'anciens traumatismes, etc., etc. Bah, les foyers excités des visions, déjà matériellement, c'est pas rien, qui va falloir justement, dont il va falloir arrêter pour lui donner une autre trajectoire. Et ce que je trouvais intéressant, c'était aussi, face à ce commun négatif, finalement très abstrait, c'était aussi une manière de le concrétiser à travers la question de la Constitution, qui lui donnait finalement son statut, qui lui donnait sa réalité, son ancrage, et finalement de partir sur un commun, alors, qui est déjà un peu abstrait, mais qui a quand même une réalité juridique tangible, qui est justement la Constitution, pour défaire aussi ce que permet de faire tenir cette Constitution. Donc finalement, d'adresser le problème par le bout où on peut le prendre. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, et de dire que dans les communs, c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure que dans les communs, pas négatifs, il y a déjà du conflit. Hein, on arrache le commun au bien privé, au bien public, on recommunise, parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait des communs partout, mais on n'est plus au Moyen-Âge, donc il faut arracher le commun. Et donc, finalement, ce qu'on voit avec l'exemple chilien, c'est à la fois l'héritage de ce commun négatif, le fait de vouloir s'en défaire, avec en même temps quelque chose qui va perdurer, dont il va falloir s'occuper malgré tout. C'est pas le switch qui fait disparaître cet héritage négatif. Hein. Et en même temps, ce rapport de force. Et effectivement, dans les communs négatifs, il y a cette idée de rapport de force, de conflit, qui est cette idée aussi présente chez les communs, mais qui est plus visible, mais qui est un rapport de force. En même temps, c'est là où c'était intéressant, à la fin, qui suppose aussi des aménagements, parce que on ne va pas faire société ou constitution non plus tout seul, sinon ce serait l'hégémonie d'un groupe contre les autres, c'était rappelé tout à l'heure. Et donc il y a aussi des aménagements qui sont proposés pour cette constitution, pour malgré tout arriver à une convergence, avec en même temps cet élan. Ce n'est pas des sociotraites, hein, c'est pas le PS. Pardon.
C'est autre chose quand même le Chili. Et du coup, je trouve que c'est un exemple très intéressant pour ça, parce que ça montre bien ces différentes dimensions. Et c'est vrai que je pense qu'insister sur le commun négatif, cette dimension de conflit qui est rendue visible, ça permet aussi de la restituer pour le commun tout court. Et bien dans le commun, il y a la coopération, mais il y a aussi du conflit dans les communs traditionnels. Mais pour ça, si vous voulez réélaborer. Sur l'activité, alors, oui, sur le travail activité, c'est drôle, parce qu'il y a deux jours, j'étais à une rencontre sur le travail des artistes, on se posait la question de... c'était Portrait de l'artiste en travailleur, selon un fameux, représentant d'un fameux livre, et on se posait la question, alors il y avait un représentant de multitude et un représentant du réseau salariat, et donc les uns c'était le salaire universel, et l'autre c'était le revenu à vie, donc ils ne s'entendaient pas complètement. C'était assez intéressant. Alors, moi, j'aurais pas forcément une vision, justement, c'est une question de fond, on pourra y revenir, mais c'est une réponse pas trop longue. J'ai pas forcément une vision de l'être humain comme intégralement destructeur, parce qu'on voit que anthropologiquement c'est plus compliqué, etc. etc. C'est plutôt certains êtres humains équipés d'une certaine manière, avec physiciens, José Lopes, appellent des technologies zombies. Donc des technologies qui peuvent que créer des déchets et être dans une logique d'extractivisme. Grosso modo, c'est 99% de nos technologies aujourd'hui, manque de peau, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres horizons. Donc des êtres humains équipés avec ces technologies, des infrastructures du même type, etc., etc., effectivement vont avoir une activité destructrice. Mais ça veut dire aussi que ça pose la question du rapport à ces technologies, du rapport à ces infrastructures, et ce n'est pas uniquement... l'humain en général, effectivement, qui est questionné sous l'angle de l'humain destructeur. Donc il y a tout un travail, je pense, pour faire ces distinctions et après essayer de trouver une voie, effectivement, et pour l'avenir, est-ce que c'est travail, est-ce que c'est activité, est-ce que... Voilà, donc ça, c'est des questions, effectivement, qui sont absolument urgentes et je rejoins aussi, pas toutes ces conclusions, mais Alain Supiot, quand il fait le lien entre travail et anthropocène, je pense que c'est un enjeu très important. Pour le dire très vite, nous, comment on travaille là-dessus? Par exemple, sur des projets où une association comme Notre Affaire à tous Lyon va attaquer dans la veille de la chimie les industriels parce qu'ils sont polluants et ils violent les réglementations. Et nous, on discute avec eux en disant, bah oui, la veille de la chimie, c'est pas qu'une zone industrielle, il y a des gens qui vivent là, qui en dépendent, il y a plein de choses, il y a des écoles, enfin c'est un lieu absolument extraordinaire, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais je vous conseille d'y aller parce qu'on n'a pas idée ce que c'est avant d'y être allé. Et on dit, au lieu de vous faire des syndicats comme les représentants des travailleurs, ceux qui vont justement être attachés peut-être à cette activité des ennemis, ouais, grosso modo d'un côté, les bobos écologistes qui débarqueraient pour attaquer les industries, les démanteler, et puis d'autre côté, les syndicats arc-boutés sur le travail, l'activité. En fait, il y a un front commun, évidemment, à faire entre les deux, et le travail qu'on fait, c'est notamment d'éviter cette confrontation caricaturale-là et de voir comment on peut faire tenir ensemble quelque chose pour imaginer une autre destinée, à la fois pour la veille de la chimie, les activités qui s'y déploient, mais aussi les personnes qui en dépendent. Donc voilà, c'est juste une esquisse de réponse empirique, mais voilà. Et puis pour votre question, alors effectivement, en fait, dans les communs négatifs, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû, il n'y a pas de définition ontologique des communs négatifs. C'est-à-dire quelque chose n'est pas ontologiquement ou non un commun négatif. C'est pas moi, Alexandre Bonnet, en tant que philosophe, où je dis, bah voilà, sur Terre, il y a une catégorie nouvelle qui vient de sortir de ma tête, c'est les communs négatifs. Et en fait, je vais vous faire part, en tant que philosophe, de mes goûts et de mes dégoûts. Et je vais vous dire, bah ça, en fait, j'aime pas trop, donc c'est un commun négatif. Ça, j'aime bien, donc c'est pas un commun négatif. Bah, on rigole, mais en fait, ça a existé dans le passé, ça s'appelait l'encyclopédie des nuisances chez les post-situationnistes. En fait, ils disaient, bah ça, on trouve ça dégueulasse. Partage mes dégoûts avec vous, ça on trouve ça bien, etc. On va partager plutôt ce qu'il détestait, donc c'est pour ça que c'était dans l'encyclopédie des nuisances, c'est pas l'inverse. Mais non, c'est pas ça. L'idée c'est de dire qu'il y a un travail justement à faire pour savoir si on est du côté du commun positif, entre guillemets, ou du commun négatif. Et en fait, c'est un travail d'enquête pour comprendre comment on est attaché à ces communs, comment. Quelles sont leurs conditions de maintenance ou non, quels sont leurs effets, et en rentrant finalement dans le détail de tout ça, ben après on est mieux armé pour statuer. Moi par exemple, je considère aujourd'hui, j'ai été chercheur chez Onelia, j'ai fait ma thèse sur l'architecture du web, numérique, j'en ai mangé pendant 15 ans, etc. Et je considère que le numérique, c'est clairement un commun négatif, à travers justement tout le savoir et l'enquête à titre personnel que j'ai pu mener pendant ces années-là. Mais je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord. D'emblée, par contre, j'ai des arguments pour le faire valoir. Et on peut en discuter, on peut avancer, et je peux moi aussi avancer pour, politiquement, une reconnaissance du numérique comme commun négatif. Et d'ailleurs, je peux le dire, je travaille avec le président d'une... On en discute, mais
une association que je ne vais pas citer pour le moment parce qu'on n'a pas parlé en amont, mais sur les enjeux de dénumérisation, par exemple, pour légitimer le fait de poser que la dénumérisation est un avenir possible et qu'il faut commencer à y travailler parce que de toute manière, on va se dénumériser aujourd'hui, tel qu'on est parti, le jour où on sera le plus attaché possible au numérique dans une société totalement numérique, qu'on ne pourra plus maintenir, c'est à ce moment-là qu'on va se dénumériser, qu'on aura le pire des situations possibles. Si on pouvait un tout petit peu anticiper cette situation et y travailler en amont, ce serait, je pense, non, c'est pas le chemin, mais le fait de le poser déjà comme un cadre et comme un cadre légitime d'action, de pensée, ça rend des services, et ça rend des services même pour les gens qui sont dans des démarches radicales, de lutte, etc., etc. Vous avez dit qu'on prenait le micro. Et on peut, non mais il y a d'autres choses à dire, mais on peut tout à fait en discuter. Non, peut-être juste un dernier point là-dessus sur les terres et tout ça, et l'exemple des agriculteurs. Il y avait un exemple intéressant, c'est quand il y a eu ces combats contre les pesticides, toutes ces mairies qui avaient pris des arrêtés, et qui existent toujours, hein, ce collectif, même si c'est pas hyper visible, mais il existe toujours, pour prendre des arrêtés anti-pesticides ou créant des zones d'exclusion vis-à-vis des pesticides. C'était intéressant, mais il y a deux manières ici d'envisager le commun négatif. Je pense que ça peut dire quelque chose pour votre exemple. Soit on se dit, en fait, le commun négatif, c'est l'agriculteur qui est en agriculture conventionnelle. On a décidé que les pesticides, c'est un commun négatif. Il se débrouille avec ça. Il sort du modèle, mais c'est son problème. Ou alors on décide qu'en fait, c'est l'affaire de la communauté qui vit autour aussi de cet agriculteur et qui, collectivement, va aussi lui trouver un nouveau modèle économique, acheter ses nouveaux produits, peut-être bio, créer des circuits courts, etc., etc., pour pas que ce soit juste sa responsabilité à lui. Parce que, je sais pas, c'est l'INRAE et d'autres qui l'ont vendu pendant 60 ans à l'agriculture conventionnelle. Voilà, en fait, c'est un ensemble de responsabilités. Donc derrière, si on veut transformer ça, il faut aussi apporter justement d'autres modèles pour lui permettre de subsister, mais d'une manière complètement différente. Et là, ça devient un vrai commun. Là, on passe d'un commun négatif de fait, un vrai commun négatif, mais assumé, auquel on donne une autre trajectoire. Alors, juste avant ma question, je voudrais faire un petit complément là sur ce que tu disais sur le travail. Moi, il me semble que ce qu'on peut rajouter à ce que tu avais dit sur le travail, qui me semblait assez juste, c'est que le travail, c'est une création de valeur, mais pour reprendre la définition de Patrick, valeur égale force de vie. Donc, le travail, il peut détruire, mais il peut aussi soigner. Donc, encore une fois, c'est pas le travail en tant que tel qui est destructeur, il l'est beaucoup aujourd'hui, mais on peut énormément l'orienter vers la création de force de vie. Et je crois que c'est tout l'enjeu de l'avenir. C'est comment on oriente notre travail vers quelque chose qui soit positif pour nous humains et l'environnement dans son ensemble. Voilà, c'était juste pour en positionner ça. Et ma question, c'était, est-ce que les communs négatifs sont forcément négatifs, est-ce qu'on ne peut pas les retourner? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'absolu des capacités à partir du commun négatif? Moi, j'avais une expression, mes déchets sont des richesses. Les déchets sont des richesses. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un certain nombre de déchets, si on les retourne, c'est potentiellement des richesses pour alimenter d'autres choses. En gros, bah, c'est tout le principe de l'économie circulaire, quelqu'un qui crée la chaleur, qui va l'injecter. Enfin, on peut imaginer que des choses qui sont considérées, vues comme négatives, retravaillées de manière différente, en faisant valoir l'imagination des autres formes d'usage, on peut arriver à retransformer, je ne dis pas tous, hein, mais un certain nombre, je pense aux déchets nucléaires, c'est compliqué d'aller vers ça, c'est compliqué que des terres extrêmement polluées, d'en faire des ressources. Mais dans l'absolu, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont considérées comme négatives, qui sont actuellement des communs négatifs, qui justement, si elles s'emparent, ça se reparait par un collectif plus large, et remises en circulation, remises en dynamique, peuvent retrouver une certaine forme de valeur positive. Alors merci beaucoup pour cette question. Alors deux points. Point rapide. La première difficulté que moi je vois avec ça, même si on parle effectivement de désaffectation, réaffectation, donc de toute manière il y a quelque chose à reprendre pour lui donner une autre trajectoire, qui en tout cas est moins négative, peut-être plus positive, selon les cas ça va effectivement dépendre. La difficulté que je vois à dire par exemple, mon déchet devient une ressource, c'est que dans ce cas-là en fait on maintient l'existence du déchet, c'est un peu le problème des incinérateurs. Les incinérateurs, c'est-à-dire on a des déchets et donc... on va transformer ça en énergie, parce que de toute façon ils sont là, donc ça va produire moins d'énergie en local sur les territoires, et en fait on est dans une logique de croissance, c'est-à-dire que les incinérateurs ne peuvent jamais décroître,
Alors qu'en fait, on n'a pas un problème de déchets avec les incinérateurs, on a un problème d'énergie. Et tant qu'on ne comprend pas qu'on a un problème d'énergie, il faut faire diminuer les sorties d'énergie, ben on fait toujours rentrer de plus en plus de déchets pour de plus en plus d'énergie à la fin. Et du coup, on a un effet évidemment de bord au final qui fait que c'est compliqué. Donc là-dessus, moi, ça tiraille un petit peu. Et l'autre point, c'est effectivement, c'est une discussion à distance avec Bernard Stiebler. Heureusement, on était décédé à la sortie de notre livre, qui lui avait la notion de pharmacone. Il développait la notion de pharmacone. Le pharmacone, effectivement, c'est le poison remède, et selon alors, le dosage ou l'usage, on peut en faire un remède, on peut en faire un poison. Moi, j'ai une grosse difficulté vis-à-vis de cette notion de pharmacone, c'est que c'est pas complètement faux. Très ponctuellement, le poison, c'est un poison remède, mais c'est très ponctuellement. Si je prends mon smartphone, je ne sais pas, oui, il est en train de charger, bon, mais imaginez que j'ai un smartphone dans la main, parce que je ne suis pas non plus tout à fait clean, hein, un smartphone. C'est même pas un Fairphone, par ailleurs. J'en ai eu un, mais tu ne parles pas. Et mon smartphone, ben en fait, oui, on peut se dire, comment est-ce que j'en fais un outil qui ne va pas détruire mon attention, qui ne va pas détruire mon activité sociale, qui ne va pas ceci, cela. Et il y a éventuellement, pourquoi pas, un retournement qui est possible au niveau de l'usage. Mais le niveau de l'usage très ponctuel, très local, auquel le retournement, qui va être concerné par le retournement, ben ça ne dit rien de l'exploitation des minerais au Kivu, des enfants qui descendent dans les mines à aller chercher, des proto-esclaves à Taïwan qui assemblent mon smartphone, des chaînes logistiques qui sont nécessaires, du modèle économique aussi pour avoir 7 milliards de smartphones en circulation qui n'est pas exactement vertueux, etc. Ça. Donc il peut y avoir une logique pharmacologique, mais elle laisse tellement de choses de côté, parce que ça bifurque en fait dans toutes les directions, que moi j'aurais tendance effectivement à vraiment, vraiment limiter la portée de cette logique pharmacologique. Justement, en rebondir par rapport à Annie et Alexandre, alors pharmacone, je signale aussi, c'est Platon. C'est notamment pharmacone, il appliquait à l'invention de l'écriture. C'est-à-dire l'écriture, c'est un support pratique, mais en même temps l'écriture, ça peut être aussi un véritable poison, parce que ça empêche les exercices de mnémotechnie, de remémoration, et ça nous rend oublieux de notre passé. Et surtout, ça fait migrer le savoir loin de son lieu d'origine. C'est-à-dire, on n'a plus des sages, on a des sachants. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas mis leur savoir à l'épreuve de leur propre vie, leur propre existence, d'un point de vue éthique, par exemple. Alors moi, ce que j'aimerais revenir, c'est par rapport à ça. C'est vrai que dans le capitalisme, à partir des années 1950, c'est vrai que dans le vocabulaire marxiste, pour la marchandise, on a la valeur d'usage, la valeur d'échange, et moi, j'ai parlé de valeur d'usure aussi. Parce que l'économie de l'obsolescence a été une nouvelle révolution capitaliste qui introduit une valeur d'usure, c'est-à-dire comment je fabrique, comment j'assujettis les savoir-faire, ou la technosphère même, par extension, par rapport à y injecter du travail de non-qualité, de manière à ce que, pour assurer le remplacement rapide des marchandises. C'est-à-dire que toute l'économie du jetable, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'obsolescence, parce que ça concerne aussi l'électroménager, les ordinateurs, beaucoup de choses, les smartphones, les téléphones, tout ça, fait que on a une dévaluation non seulement de la qualité du travail humain, mais si on se projette, comment par exemple, il y en a certains qui disent par rapport à la vocation d'un revenu de base, ou revenu social garanti, revenu de citoyenneté, ou toute autre chose, que ça, on ne va en passer par là, parce que pour inverser la courbe climatique, on ne peut pas se projeter dans un système qui est le nôtre, où on va indexer les revenus sur les activités professionnelles obligatoires. Mais en même temps, si on dit ça, c'est très dommageable, parce que tout notre modèle de justice redistributive, justement, est corrélé entre les activités sociales obligatoires, le revenu et surtout le temps de travail. Très très important. Donc, est-ce que la voie de sortie, plutôt que les revenus de base, ça c'est un débat, moi j'écris un bouquin là-dessus, entre autres choses, ça va pas justement s'attaquer à deux problèmes racinaires. L'économie de l'obsolescence, je crois qu'il y a eu des sensibilisations qui ont été faites par différents gouvernements dans ce sens-là, et surtout la crise de surproduction, qui est la nôtre. C'est-à-dire que on est dans une situation, je ne parlerai pas de l'alimentation, c'est chiffré par les FAO, à peu près 30% de toute la nourriture produite sur Terre est perdue, hein, ou perdue à cause de la non-chaîne, transmission chaîne du foie, dans les transports, ou finie dans nos
congélateurs, périmés, etc. Mais sur tous les autres biens, on a quasiment 55% des biens produits chaque année sur Terre qui ne trouvent pas acquéreur. Vous voyez ? C'est énorme. Donc, si on s'attaque à l'économie de l'obsolescence et à la vraie crise de surproduction dont Marx disait que c'était l'essence du capitalisme, parce que le capitalisme, il a inventé deux choses. Au XIXe siècle, comme dit très bien André Gors, avec qui on avait pu dialoguer là-dessus, il y a deux novations dans le capitalisme, si je puis me permettre ce que c'est. L'illimitation du temps de travail, même si on avait réussi à passer la journée de 13 heures dans les années 1880 ou 35 heures aujourd'hui, force de lutte sociale, etc., des compromis historiques, et l'invention de la concurrence. Au Moyen-Âge, au temps de travail, au XIVe siècle, on travaille 173 jours par an en France. Qu'on soit un gueux de la paysannerie, ou un coutelier, etc. Parce que l'idée de travailler plus qu'il ne faut, l'idée de travailler d'un travail qui serait complètement déconnecté de la satisfaction des besoins, est une idée absurde, est un non-sens. Et la concurrence, avant on s'accorde, les producteurs, les corporations s'accordent pratiquement les mêmes prix, on s'accorde sur le prix, il n'y a pas de compression des coûts du travail pour aller voir le voisin en disant « Ah, mon copain, la tisseur, je vais te vendre un tissu moins cher que... » Non, ça n'existe pas. Donc il faut s'interroger sur les fondamentaux de cette nature-là, et je pense qu'on arrivera peut-être à essayer de repenser le travail indépendamment de critères d'évaluation aujourd'hui qui seraient purement quantitatifs, hein, où le travail en soi... Les formes du travail sont très très multiples, sans parler de la visibilisation de plein de formes de travail aujourd'hui dans la société, et qui font que cette société tient aussi. Voilà. Moi, c'était plus une question sur la gestion des biens négatifs, des communs négatifs, dans le sens où moi je ne crois pas du tout sur le truc de les déchets, c'est des richesses. Il y en a certains, oui, typiquement les déchets végétaux, c'est super bien. Mais par exemple, quand on voit le Grand Paris et tous les déchets matériels, des gravats en énorme quantité, qui ne peuvent pas être utilisés, qui vont soit être servir à combler des carrières à meudon dont personne ne veut ce comblement, soit vont être mis dans des décharges à ciel ouvert au niveau des banlieues. Donc en fait, il y a toute une question de démocratie, de gouvernance autour de ces biens communs négatifs. Et la question, c'est de savoir aussi, nous, en tant que personnes en France, mais même au niveau de Paris, parce qu'en fait, soit s'exporter en banlieue, soit s'exporter en fait dans les pays en voie de développement, comment on accepte en fait ces déchets-là et qu'on accepte en fait d'avoir des choses dégueulasses à côté de chez nous, ou qu'on accepte plus du tout les produire. C'est-à-dire, par exemple, nous, on retient le téléphone, il va y avoir des déchets miniers. Par contre, nous, on ne veut pas chez nous, on ne veut pas de mine chez nous. Par contre, on veut bien que ça soit là-bas. Et donc, cette question-là de gouvernance, pareil pour les déchets nucléaires, personne ne veut les... Bon, je comprends la lutte au niveau pur et j'ai vraiment aucun problème comme ça. Pour la Hague, il y a aussi toute une lutte contre l'élargissement. Mais en fait, il y a un moment, comment on se pose pour faire de la gouvernance et de la démocratie pour accepter d'avoir ces déchets-là ou ne pas les produire. Et donc là, c'est plus cette question-là de comment on gère cette question de la gouvernance très concrètement et comment on lutte pour imposer cette gouvernance-là, typiquement au niveau du Grand Paris. Nous, on est contre le Grand Paris, mais. Donc pour en discuter, parce que personne n'a choisi Grand Paris à part des politiques. Donc voilà. Donc si des gens ont des pistes. Derrière ces questions, parce que André Gortz a été à juste cité, il faut rappeler que dans Ecologica, André Gortz a eu cette anticipation qui peut paraître paradoxale, qui était la suivante, nous allons, dit-il, sortir du capitalisme. Toute la question, c'est de savoir si nous allons en sortir de façon barbare ou de façon civilisée. Alors, la première proposition, nous allons sortir du capitalisme, ça peut paraître paradoxal, idéaliste ou une espèce de bonne nouvelle pour les anticapitalistes, mais en réalité, à mon avis, il a raison. C'est-à-dire que des phénomènes tels que le trumpisme, le néo-fascisme au Brésil, la Chine, la Russie, etc., ou les talibans en Afghanistan, etc., ou les théocraties, sont des démonstrations que le politico-idéologique est en train de reprendre les rênes.
Et donc, y compris dans des pays hyper capitalistes comme les États-Unis, on ne comprend pas le Trumpisme si on l'analyse dans les termes classiques du capitalisme, de ses phénomènes économiques, de ses contradictions. C'est parce qu'il y a à la fois les évangélistes et l'hyper-droite républicaine qui ont décidé d'utiliser la candidature de Trump et le Parti républicain qu'il y a ce phénomène. Et donc ce que dit Gantz, c'est à mon avis fondé, et ça permet de comprendre l'autre partie de son propos qui est « nous risquons d'en sortir, mais sous forme barbare ». Et donc la grande question, c'est effectivement comment on en sort sous forme civilisée. C'est-à-dire comment le retour et du politique et de l'idéologie, quelle que soit sa forme, est un retour démocratique, parce que derrière toutes les questions que nous posons, il y a l'énorme question du discernement. C'est-à-dire, il n'y a pas une baguette magique qui va dire, a priori, et tu le disais très bien tout à l'heure, ceci est un bien commun négatif en soi, ou ceci est un bien commun positif en soi. C'est l'activité de discernement démocratique. C'est pour ça que le retour en deçà de la novlangue de l'économie dominante sur le fait que, par exemple, des termes tels que bénéfice ou perte à l'origine ne veulent pas dire avoir ou perdre des gains monétaires, mais est-on en présence d'activités bénéfiques ou d'activités nuisibles, la délibération sur le bénéfique et le nuisible, ou sur le mixte qu'il peut y avoir, est une délibération qui appartient par excellence à des assemblées démocratiques. Et donc la question démocratique, elle est centrale. Et il pourrait y avoir une tentation tout à fait non démocratique du côté écologique, qui est de dire, d'où décrétons, nous, au nom de l'écologie, que le temps n'est plus venu de la démocratie parce que les choses sont trop urgentes. Et y compris dans les conditions les plus extrêmes par rapport au débat sur l'humanité est-elle elle-même un bien commun négatif. Ben, vous avez le titre du fameux livre de Yves Pascalet, « L'humanité va disparaître, bon débarras ». Donc on peut avoir tout à fait une tradition misanthropique au cœur même de l'écologie qui, au nom de l'exigence purement écologique, et la négation des autres volets peut arriver à cette conclusion-là. Et donc cette question du discernement et donc d'une qualité démocratique, parce qu'à ce moment-là, c'est évidemment pas une démocratie réduite aux acquêts, comme celle qui consiste à savoir quel est le nouveau chef, quel est le nouveau roi, etc., qui ne nous avance pas véritablement sur la délibération de ce qui est bénéfique, de ce qui est nuisible, de ce qui fait douter, de ce qui fait débat. Bah, étant donné le titre de nos sessions que nous allons faire ici à l'Académie du Climat, donc de poser cette hypothèse de savoir si les biens communs peuvent être un horizon pour le climat. Est-ce que quelqu'un a une idée, se fait une idée là-dessus, ou veut poser des questions à ce sujet? C'est est-ce que les biens communs peuvent être une réponse écologique? Ils peuvent être aussi bien une réponse écologique qu'autre chose. Je pense que la réponse, elle n'est pas là. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'idée des biens négatifs, des biens communs négatifs qui puissent être réappropriés par le collectif, avec le risque de biens communs positifs qui continuent à être appropriés par le privé. Et je trouve que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, et je trouve ça très inquiétant aussi. Oui, juste une seconde, la question que, finalement qui se pose quand même, c'est que, est-ce qu'on peut considérer que la pensée des biens communs est un outil politique qui nous permet d'aborder les questions climatiques? Parce qu'au fond, il y a des tas de luttes climatiques qui ne se font pas à travers ce concept des biens communs. Donc c'est ce qu'on essaie d'explorer, finalement. Bah, est-ce que, par exemple, vous pouvez en parler de ça? On a quand même une idée de ce que c'est des biens communs, les questions de l'eau, de l'électricité, des services publics, c'est primordial. Enfin, c'est
c'est tout un axe de notre lutte. Là, récemment, on a essayé de faire une convergence avec les gaffes contre la RATP, contre la privatisation de la RATP. La question des biens communs est avant tout une question d'écologie. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de lutte écologique si jamais tout est privatisé et tout va dans le sens d'un profit. Donc, même si on ne donne pas le nombre de biens communs, la question des biens communs est sous-jacente à la majorité des luttes écologiques. Parce qu'en fait, la question écologique, c'est une question de réduction des inégalités et de choisir collectivement de réduire certains de nos impacts et de choisir comment on va faire cette transition. On le voit par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat, avec des gens qui étaient plus ou moins aisés, qui allaient dans une classe socio-professionnelle différente, ils acceptent, parce qu'il y a une délibération, parce qu'il y a une discussion et une formation, de choisir des choses, des contraintes qui ne seraient pas faites normalement. Et donc, la question de l'acceptation et du contrôle des biens communs, c'est vraiment central pour pouvoir faire des politiques ambitieuses écologiques. Donc, c'est le centre, c'est sous-jacent à toute la lutte. Je peux en profiter pour. Alors, je vais répondre très, très vite à plusieurs choses, mais je vais être vraiment rapide. Alors, j'avance tout à fait au sens qu'a dit Patrick Bunet sur le fait qu'effectivement, l'anti-libéralisme ou l'anticapitalisme en soi, ça fait pas forcément une position écologiste, puisqu'il y a aussi un anti-libéralisme, un anti-capitalisme fascisant et autres, et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de faire la distinction, et c'est là que je pense que l'écologie est importante pour qualifier justement ces notions-là, je pense que c'est important, et qu'il y a aujourd'hui pas mal une tentation que moi j'appellerais exterministe. Antoine Dubeux a publié un livre qui s'intitule « Écofascisme » tout récemment, qui parle de l'écofascisme. Il y a aussi d'autres tentations, on va pouvoir en parler éventuellement à un autre moment, mais je pense que c'est extrêmement important aussi d'avoir ça en vue. Je réponds juste sur la question qui m'a intéressé sur le Grand Paris, parce qu'il se trouve qu'on a travaillé là-dessus, on a travaillé avec des étudiants sur l'arrêt de la construction d'œuvres en Ile-de-France dans le contexte du Grand Paris. Donc je vais être très, très bref là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement, dans les conflits, on l'a vu avec le Chili par exemple, il y a l'enjeu des mobilisations, des rapports de force qui est très important. Il y a aussi un deuxième enjeu, ils ne sont pas opposés les deux. C'est pas désertion ou travail dans les institutions, hein, c'est dessert et fromage. C'est les deux, c'est une prise en tenaille des deux côtés. Parce qu'il y a aussi des failles et des contradictions dans les institutions, par exemple, sur la question typiquement du Grand Paris. Il y a un an, on travaille avec des étudiants sur la construction neuve en Ile-de-France. Aujourd'hui, on voit que c'est un secteur qui, de plus en plus, voit que c'est impossible de continuer à construire et qui va vers, qu'il faut accompagner pour aller vers une économie de la réhabilitation et de la maintenance, ce qui n'est pas une réponse à tout, mais c'est aussi tirer parti des contradictions qui sont notamment dans les politiques publiques, par exemple entre le zéro artificialisation et l'encouragement à la construction. Et faire en sorte que cette contradiction, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait ces contradictions dans les politiques publiques, parce que ça veut dire qu'on peut les appuyer pour aller dans le bon sens. S'il n'y avait même pas de contradiction, on serait mal, parce qu'il n'y aurait même pas de levier pour agir dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de rentrer par une question technique comme l'avenir de la construction. En fait, si on tire ce fil-là, pourquoi on construit des logements à Paris que personne ne va pouvoir habiter? Les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter les logements du Grand Paris. Parce que ce sont des produits financiers. Ce sont des actifs financiers. Donc derrière, il y a la question aussi de... Une des bases de notre économie, c'est pas la tech, c'est pas le numérique, c'est pas l'innovation. C'est le fait que l'immobilier multiplie sa valeur par 4 en 20 ans. Et que ça, effectivement, on n'appelle pas ça inflation, mais c'est l'inflation, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve dans l'inflation. Donc tout de suite, on touche en fait la réalité fondamentale de cette économie financiarisée. Et donc ça permet, par un enjeu technique, d'y aller, et peut-être de manière intéressante. Et juste sur la question, effectivement, il y avait un peu deux questions sur la résilience. Moi, c'est les communs négatifs. Je crois que j'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est vraiment une pensée qui va à l'encontre de la pensée de la résilience, où on dit aux gens, débrouillez-vous avec votre situation difficile. Comme à Fukushima, c'est génial, ça va faire l'innovation sociale, c'est de l'empowerment, les gens, c'est les mieux placés pour se sortir de leurs propres difficultés, et donc on va les mettre en situation de l'empowerment, donc les laisser un petit peu de côté. C'est la nouvelle doctrine de la gestion de crise, il y a un très bon livre là-dessus de Nathalie Jass et Soraya Boudia, Gouverner un monde toxique, qui le dit très bien. Et en fait, oui, il y a ce risque-là, et donc c'est pour ça que je distinguais deux étages dans le commun, il y a un commun de fait, c'est-à-dire que pour ces collectifs, c'est un commun de fait que d'hériter de la pollution à Fukushima, de la ville de centre-ville qui devient inhabitable, etc., etc. Mais après, il y a un enjeu qui est de communiser avec le deuxième étage de la fusée, ce commun, d'en faire un vrai commun en associant, justement, y compris par le rapport de force,
celles et ceux qui sont responsables de l'existence de ce commun. Et parfois, ce sont des gens qu'on peut identifier via des causes ponctuelles. C'est facile, voilà, c'est un tel... voilà, alors c'est facile, en tout cas en termes de confrontation, on peut désigner. Dans l'exemple de centre-ville, c'est un exemple intéressant parce que le gouverneur de l'État voit bien que les gens, ils mettent le pied par terre, ils ont le pied amputé parce que, voilà, c'est catastrophique, c'est invivable. Et bien, le gouverneur de l'Illinois a dit, c'est pas une catastrophe parce qu'il n'y a pas d'événement catastrophique. Et pour qu'il y ait une catastrophe, il faut qu'il y ait un événement ponctuel catastrophique. Or là, c'est une accrétion, c'est une accumulation finalement de choses qui font que la situation devient invivable, positivement invivable. Et donc ça devient beaucoup plus difficile. Il y a une autre forme de violence infrastructurelle. Et donc il y a un enjeu justement à comprendre ce qui se passe, à remonter aux responsabilités et à voir aussi que, oui, même si c'est les villes alentour ne sont pas directement responsables au sens où elles auraient voulu pourrir la vie des gens de centre-ville, leur fonctionnement de fait rend invivable cette situation, et ce qui est effectivement quelque chose qui n'est pas acceptable, même s'il n'y a pas d'intention maligne derrière. Et donc ça justifie évidemment de les impliquer, y compris dans un rapport de force, puisque c'est des villes, c'est une ville qui est en bas, avec que des Noirs américains, qui a tout un passif, et les autres qui sont en haut, qui bloquent l'infrastructure, sont des villes blanches, etc. Parce que c'est le symptôme d'une violence de fond. Donc voilà, c'est jamais une pensée de la résilience, hein. C'est jamais laisser les gens dans leur merde, et c'est au contraire comprendre d'où ça vient, quel est le problème, et leur permettre de remonter justement à ces responsabilités qui sont plus ou moins faciles à identifier. C'est là où il y a vraiment un enjeu politique et qui distingue très concrètement la résilience du traitement politique des communs négatifs.